Si mes vidéos te plaisent, abonne-toi sur ma chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme. Il touche pratiquement 20% des autistes dont certains illustrent pour leur intelligence ou talent. Défini cliniquement en 1981 par Lorna Wing, à partir de la psychopathie autistique décrite en 1944 par Hans Asperger. Comme pour toutes les formes d'autisme, la cause ou les causes exactes du syndrome d'Asperger restent inconnues. Donc, nous allons parler du top 3 des célébrités atteintes d'autisme d'Asperger. Mark Elliot Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains, à New York. C'est un informaticien et chef d'entreprise américain. Il est le fondateur du site internet de réseau social Facebook, dont il est le président directeur général. Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg et trois de ses camarades étudiants de l'université de Harvard. En 2010, Mark Zuckerberg est désigné personnalité de l'année par le magazine Time et personnalité la plus influente du monde. C'est l'un des plus jeunes milliardaires du monde. Selon le magazine Forbes, sa fortune personnelle est estimée à 71,8 milliards de dollars. Il est donc placé 5e sur la liste des milliardaires du monde. Marie Curie naît Maria Salomea Sklodowska le 7 novembre 1867 à Varsovie, au sein du royaume du Congrès actuel Pologne. C'est une physicienne et chimiste polonaise naturalisée française. Marie Curie et son époux Pierre Curie reçoivent une moitié du prix Nobel de physique en 1903 pour leur recherche sur les radiations. L'autre moitié est remise à Henri Becquerel. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Et à ce jour, la seule personne à en avoir reçu deux dans deux domaines scientifiques différents. Elle est également la première femme lauréate en 1903 avec son mari de la médaille Davy, qui récompense les scientifiques pour leurs travaux exceptionnels dans le domaine de la chimie. Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Württemberg, en Allemagne. C'est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride en 1896, suisse en 1901 et de double nationalité helvético-américaine en 1940. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation dite relativité générale en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie et reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E est égal à mc au carré qui établit une équivalence entre la matière et l'énergie d'un système. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. C'est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence et de savoir. Albert Einstein est mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis. Bien sûr, il existe d'autres célébrités atteintes du syndrome d'Asperger, citons quelques-uns comme Bill Gates, Woody Allen, Vincent Van Gogh et Bob Dylan. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine, les Culturetopiens.